structure simplifiée des lipides. Les lipides sont des molécules appelées corps gras qui constituent les matières grasses des êtres vivants. Les lipides peuvent être solides comme les cires ou liquides comme les huiles. Les lipides sont insolubles dans l'eau. Les lipides sont indispensables à la vie. Ils jouent un rôle essentiel dans la production d'énergie, la transmission de messages hormonaux et constituent la trame des bicouches des membranes cellulaires. On trouve des lipides dans les huiles, le beurre, le lait, les fromages, les œufs, certains fruits comme l'avocat, les noix, les graines, les viandes, les poissons. Les lipides sont généralement des molécules hydrophobes. Un composé hydrophobe n'aime pas l'eau et aime les corps gras. Certains lipides sont amphiphiles. Ils possèdent une partie hydrophobe, qui n'aime pas l'eau, et une partie hydrophile, qui aime l'eau. Un composé hydrophile aime l'eau, mais n'aime pas les corps gras. Voici la représentation schématique de la tête hydrophile et de la queue hydrophobe d'une espèce amphiphile. Les molécules amphiphiles sont des molécules tensioactives. Certains lipides sont donc des molécules tensioactives. Les tensioactifs peuvent être utilisés comme détergents pour le nettoyage de solides, agents de solubilisation, agents moussants, agents mouillants, ils permettent un meilleur étalement d'un liquide sur un solide, agents dispersants, ils évitent la flocculation de particules hydrophobes, ou comme agents émulsifiants, ils facilitent l'émulsion entre deux liquides non miscibles. Voici les propriétés d'une molécule tensioactive. La molécule tensioactive peut être schématisée par une tête hydrophile qui aime l'eau, une queue hydrophobe qui n'aime pas l'eau. La partie hydrophobe est aussi lipophile, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'huile. La molécule tensioactive est donc une molécule qui a une affinité à la fois avec l'huile et avec l'eau. Les tensioactifs, du fait de leur nature amphiphile, s'organisent en vésicules, liposomes et micelles en milieu aqueux.